C'est jamais évident, on sait sur quelle équipe s'attendre. On sait que ça va être un rude combat qui nous sera présenté samedi. Voilà, à nous de bien se préparer en conséquence. Brief, c'est une équipe avec des valeurs très fortes, qui a un public qui pousse très fort aussi derrière. Voilà, ils ont des joueurs qui arrivent à les mettre dans l'avancée. Ils ont un jeu, un trio de champ de terrain qui est performant. Donc, à nous d'être bien en place pour pouvoir répondre présent. En tout cas, oui, ça va être très solide. Ouais, ça c'est sûr, c'est très solide vu leur situation et la nôtre. Voilà, on s'attend à quelque chose de conséquent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une concentration maximale, que personne ne peut se relâcher dans ces moments-là et que ce sont des matchs à enjeu, donc forcément plus tendus que les autres, donc avec une préparation. Avec énormément de concentration. Ouais, tout simplement bien bosser, pas s'éparpiller. Ça fait 15 jours qu'on n'a pas joué. L'erreur, ce serait de trop parler, de jouer à la baballe. Non, on a vite évacué les vacances, on a vite fait le tour. Et une fois qu'on est sur le terrain, on est là pour bosser parce qu'il reste plus beaucoup de matchs et on a un gros déplacement qui nous attend tout simplement. Oui, c'est une terre de rugby, c'est une grosse terre de rugby avec, il est vrai, des valeurs de. Ouais, d'abnégation, de combat, de solidarité, mais on s'aperçoit aussi qu'il joue très très bien. Donc, ouais, on pourrait se ressembler, même si il y a quelques différences quand même. C'est une vraie terre de rugby comme ici, ouais. Franchement, avec un public qui soutient énormément ses joueurs comme ici. Et un attachement au territoire aussi, ouais.